Chers apprenants, nous voici de nouveau pour une nouvelle séance de révision. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on va parler d'un organisme haploïde, Sordaya. On va d'abord faire une petite révision du cours et après passer à un exercice d'appli. Comme vous le voyez, ce document, on nous présente Sordaya, mais aussi son cycle de reproduction. Sordaya est un champignon cordyceps du groupe des champignons présentant des asques dans lesquels on retrouve des spores. Il est hétérotrophe et doit se développer sous forme de mycélium dans un milieu riche en matière organique. En général, les bouches de voyage, les cellules somatiques de cette espèce renferment chacune 14 chromosomes, donc vraiment facile à étudier. Son cycle de développement, comme tous les organismes à reproduction sexuée, est caractérisé par l'alternance de la méiose et de la fécondation, ce qui lui permet de garder son matériel chromosomique caractère. Alors, comme vous le voyez sur le cycle de reproduction, chez Sordaya, puisque c'est un organisme haploïde, pour la conservation du caryotype, on va d'abord parler de la fécondation. Donc, la fécondation ici, c'est la fusion de deux filaments mycéliums. Cette fécondation aboutit à une cellule œuf que l'on appelle zygote, l'unique cellule dans le cycle où on retrouve deux N chromosomes. Après la fécondation, on va avoir la méiose. D'abord, la première division méiotique qui permet d'obtenir deux noyaux. La deuxième division méiotique qui permet d'obtenir quatre noyaux. Donc, pour passer à 8 oies, il y a une mitose supplémentaire, ce qui permet d'obtenir un asque à 8 histoires. Alors, donc, comme vous le voyez, tout ce qui est en bleu, c'est des noyaux haploïdes. En rouge, c'est-à-dire la cellule œuf, est l'unique cellule qui renferme deux N chromosomes. Donc, vous voyez que ce cycle est à dominance haploïde. Donc, c'est un cycle haploïphasique. Le deuxième document que je vous présente vous montre les étapes de formation des asques de type 4-4-2-2-2. Ce document que j'ai tiré de votre Bordas, Biologie Terminale D de 1990, présente le croisement entre deux souches, souche à espore noire et souche à espore blanche. Alors, après la fécondation entre ces deux souches, il y a toujours la formation d'une cellule œuf diploïde. Et après, il y a deux scénarios possibles. Soit la méiose QC se fait sans crossing over, on parle de pré-réduction, et ceci va permettre d'obtenir 8 spores, c'est ce qu'on appelle le type 4 sur 4. L'autre possibilité, que après la fécondation, qu'il y ait un échange de fragments de chromatides entre les deux chromosomes homologues, portant le gène responsable de la couleur des spores. Ceci va entraîner un échange que l'on appelle crossing over, et après ce crossing over, il y aura séparation, comme toute méiose normale, des chromosomes homologues. Et après, on a une deuxième division qui entraîne la séparation des chromatides. Ainsi, on obtient un asque possédant 4 noyaux et une mitose supplémentaire après réplication va entraîner l'apparition de 8 spores, 2 noirs, 2 blancs, 2 noirs, 2 blancs. Donc, ce qu'il faut retenir ici pour la formation des asques, c'est 3 étapes essentielles. Il faut une fécondation suivie d'une méiose. Maintenant, s'il y a mélange des couleurs, on parle de méiose avec crossing over. S'il n'y a pas de mélange de couleurs, on parle de méiose sans crossing over. Et après, pour accéder à 8 noyaux, il faut une mitose supplémentaire. Dans le document 3, on présente différentes sortes d'asques. Ici, on a les asques de type 4 sur 4, notamment le type 1 et 2. On a des asques de type 2, 4, 2, notamment le 3 et le 4. Mais aussi, on a des asques de type 2, 2, 2, 2, le 6 et le 5. Tous ces asques, on les retrouve dans notre périthèse. Pour mieux comprendre votre cours, je vais proposer deux exercices. Le premier d'exploitation de documents et un second de restitution de connaissances. Alors, l'exercice d'exploitation que je vous présente a pour titre formation de différents types d'asques sort derrière. Pour rappel, il faut toujours pour chaque document analysé, saisir les informations, faire la mise en relation avec vos connaissances, c'est-à-dire expliquer les résultats obtenus à partir de vos... Alors, l'exercice d'application. Sordaya est un champignon haploïde se reproduisant grâce à des spores formés lors d'un cycle haplo comme contexte. À partir des informations saisies de l'analyse des documents et de vos connaissances, identifiez les types de divisions conduisant à la formation d'un asque afin d'expliquer la formation des asques contenus dans le périthèse du document 2. Le document 1 est subdivisé en deux sous-documents. Le document 1A a pour titre quelques étapes
du cycle de reproduction de Sordaya, le document 1B, la variation de la quantité d'ADN par noyau lors de la formation. Alors, comme vous le voyez, le premier document, c'est un dessin. Le deuxième document, c'est un graphe. Le deuxième document nous présente les différents as contenus dans un péritest issu du croisement entre une souche noire N et une souche blanche. Le document a pour titre expérience d'hybride. Le contexte de ce document, des spores noires et des spores blanches sont mis en culture dans une boîte de pétri sur un milieu approprié. Après une semaine, il apparaît sur la culture des fructifications, ce qu'on appelle péritest, contenant des bouquets d'as. Le contenu d'un péritest est illustré ci-dessus. On va ensemble, comme d'habitude, passer à la correction intégrale de cet exercice d'appui. Pour la correction, si on a deux documents, et alors pour chaque document, on doit faire l'analyse, une saisie d'informations et une mise en relation. Alors, on a notre premier document qui est subdivisé en deux sous-documents. Il faut faire l'analyse et la saisie de chaque sous-document, de faire une seule mise en relation. Parce que notre consigne nous dit à partir des informations tirées de l'analyse des documents. Donc, document par. Alors, pour chaque document, on va mettre en vert l'analyse. Et en noir, on laisse la saisie d'informations avant de passer à la mise en relation. Le document 1, ce document est un schéma indiquant le nombre de noyaux dans une cellule œuf après chaque division conduisant à un asque à 8 spores. Saisie d'informations. La formation des asques se fait grâce à 3 divisions. Elle conduit successivement à 2, 4, puis 8 noyaux à partir d'une cellule œuf. Pour le document 1B, ce document est un graphique qui montre la variation de la quantité d'ADN par noyau lors de la formation des asques. Information saisie. La première division fait passer la quantité de 2Q à Q et la seconde de Q à Q sur 2, sans phase de synthèse intermédiaire. La troisième division, qui se fait après une phase de synthèse, ne modifie pas la quantité Q sur 2 d'ADN. Alors, donc vous voyez ici, il arrivera des documents où l'analyse et la saisie sont confondues. Alors là, pour la mise en relation, on va dire cela parce que dans cette mise en relation, on doit être capable d'identifier les types de divisions. Les deux premières divisions se font sans phase de réplication d'ADN, constituent la méiose. La première est la division réductionnelle permettant de passer de deuxième chromosome à deux chromatides, à deux noyaux renfermant N chromosome à deux chromatides. La deuxième division est la division équationnelle. Elle permet d'obtenir 4 noyaux renfermant N chromosome à une chromatide. Et la troisième division est une mitose, car permet de doubler le nombre de noyaux sans modifier la quantité d'ADN. Donc ici, on peut retenir qu'on a 3 divisions. Les deux premières sont les deux divisions méiotiques. Et la troisième division est une mitose supplémentaire. Document 2 est une photographie des asques obtenus lors d'un croisement entre deux souches de Sordaya de couleurs différentes. Le croisement entre une souche noire et une souche blanche de Sordaya donne plusieurs types d'asques, dont des hybrides 4 sur 4, 2, 2, 2, 2, 2 et 2 sur 4 sur 2. Ça, c'est l'analyse et la saisie d'informations. Alors, pour la mise en relation, c'est là où on doit expliquer la formation de chaque type, comme demandé dans notre consigne, bien sûr, en nous aidant de schéma. Donc, en mise en relation, les types 4 sur 4 se sont formés suite à une fécondation entre mycélium de souche noire et blanche, une méiose sans consigne ovaire et une mitose supplémentaire après réplication des chromosomes. La différence entre deux de type 4-4 s'explique par un brassage interchromosomique. Comme vous le voyez sur ce schéma, on a après la fécondation une réplication, une séparation sans consigne ovaire lors de la première division méiotique, ce qui conduit à deux noirs et deux blancs et la mitose supplémentaire en train de dérouler. Alors, pour les types 2-2-2-2 et 2-4-2, ces types se sont formés de la même manière, c'est-à-dire une fécondation entre mycélium de souche noire et blanche, une mitose avec crossing over, donc brassage intrachromosomique en prophase 1 de la méiose, une mitose supplémentaire après réplication des chromosomes. La différence entre deux mêmes types s'explique toujours par un brassage interchromosomique. Pour la mise en relation du type 2-4-2, il suffit de dire la même chose pour le type 2-2-2.
La seule différence ici, pré-crossing over, les deux noirs se retrouvent au milieu et les deux blancs dans les extrémités, ou bien l'inverse, les deux noirs, gènes noirs, se retrouvent au milieu et les deux gènes blancs se retrouvent dans les périphéries. Maintenant, il suffit de conclure d'une manière générale. La formation des différents types d'as se fait suite à une fusion de deux mycéliums de souches différentes, suivie d'une méiose et d'une mitose supplémentaire. Le type 4 sur 4 s'explique par une méiose sans crossing over, contrairement au type 2 sur 2 sur 2 sur 2 et 2, 4, 2. La différence entre deux de même type s'explique par un brassage interchromosomique. Donc, vous voyez, sort d'ailleurs très facile. Ce que vous devez retenir, c'est toujours ceci. La formation, c'est 3 étapes. Il y a la fécondation d'abord, suivie d'une méiose. Et après, on a une mitose supplémentaire qui permet d'avoir 8 spores dans l'as. La seule différence, est-ce que la méiose se fait sans crossing over ou avec crossing over? Maintenant, si vous avez deux de deux même type, par exemple 2 4 sur 4, il faut expliquer leur différence uniquement par une inversion. Alors, votre deuxième exercice d'application est un exercice de restitution organisée de connaissances, toujours son titre, production sexuée chez Sordaï. Contexte. Le croisement de deux souches de Sordaïa macrospora, l'une à spores pigmentés en noir et l'autre aux spores non pigmentés, blanc, donne plusieurs types d'as hybrides consignes. En vous aidant de vos connaissances et d'illustrations, expliquez les mécanismes de la reproduction sexuée conduisant à la formation des asques de type 4 sur 4 et de type 2 sur 2 sur 2. Alors là, vous avez un exercice de restitution. En rappel, il faut toujours faire une introduction constituée de trois parties, un contexte, un problème et un plan. On va essayer de faire ça ensemble. Donc, en introduction, toujours, il y a trois parties. Votre contexte, le problème et votre plan. Et comme je vous ai dit, toujours, votre contexte, deux phrases pour le cadre général et l'autre pour le cadre particulier. Alors ici, pour le cadre général, on peut définir, éclaircir quelques termes. On peut prendre reproduction sexuée, on peut prendre Sordaïa. Alors, je vais prendre Sordaïa. On n'est pas obligé de donner une définition, mais on doit éclaircir le terme. Si je prends Sordaïa, je vais définir. Sordaïa, c'est un champignon ascomycète, haploïde, dont les asques renferment 8 spores. Ça, c'est le cadre général. Je dois revenir maintenant sur mon sujet. Ce que me demande mon sujet, c'est d'expliquer les différents types d'as, notamment 4 sur 4, 2 sur 2 sur 2. Donc, ma dernière phrase qui constitue le cadre partier doit me ramener sur ces différents types d'as. La reproduction entre deux types de Sordaïa, de souches différentes, entraîne la formation de plusieurs types d'as, parmi lesquels on a de type 2 sur 2, sur 2, sur 2, mais aussi de type 4 sur 4. Ainsi, la personne qui va vous conduire à poser ce problème. Et d'après le cadre particulier, comme on a dit que la reproduction entre deux souches conduit à des types 4 sur 4, 2 sur 2, sur 2, sur 2, la question que celui qui vous écoute va poser, c'est comment la reproduction sexuée chez Sordaïa conduit à la formation des asques de type 4 sur 4, 2 sur 2 sur 2 sur 2. Et là, vous terminez par votre point d'interrogation qui constitue votre point. Alors, le plan, ici, le plan, après avoir expliqué la formation des asques de type 4 sur 4, nous expliquerons la formation des asques de type 2, 2 sur 2 sur 2. Dans le développement maintenant, il va falloir que vous respectez votre première chose. Donc, pour le développement, vous devez respecter l'ordre que vous avez établi. Toujours, comme dans la mise en relation, parce que dans la mise en relation, ce sont vos connaissances. Ce sont ces mêmes connaissances qu'on vous demande dans la restitution de connaissances. Alors, donc, la formation des asques de type 4 sur 4, fécondation entre mycélium de souche noire et de souche blanche, méiose sans crossing over et mitose supplémentaire après réplication des chromosomes. Et même illustration que vous avez fait dans la mise en relation de votre exercice d'esprit. Alors, pour la formation des asques de type 2 sur 2 sur 2, c'est toujours la même chose. Il y a toujours la fécondation entre deux mycéliums de souche noire et de souche blanche, une méiose avec crossing over, une mitose supplémentaire après. Et après, vous faites votre schéma. Toujours, la conclusion, pense à la question posée. Si on nous avait demandé d'expliquer la formation des asques, donc vous devez répondre en disant que la formation des asques de type 4, 4 et 2 sur 2 se fait selon trois étapes. Premièrement, la fécondation suivie d'une méiose et d'une mitose supplémentaire. La différence entre les deux est due à la méiose. Si la méiose se fait sans crossing over, on a le type 4 sur 4. Si la méiose se fait avec crossing over, on a le type 2 sur 2 sur 2 sur 2. Et vous avez répondu à votre question posée.
Alors, ainsi point fin à la séance d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout de partager pour aider les autres camarades de classe qui ne sont pas encore connectés sur notre chaîne La Synapse.